Marie-Luce et famille, Benita Samedi, Betty Pierre-Louis et famille, Marie-Claire Rosenberg et famille, Boris Emmanuel Exumé. Carly Desimil pour son anniversaire de naissance, Loretta Anne-Laurie et Di Pierre, Dani Compa, Laetitia Compa, Bianca Compa, Alia Marie Silburn, Eva Silburn, Abigail Zil, Bestie Christophe, Derville Max et Joanne André Horacius pour leur anniversaire de mariage, Jonan Christophe, Elimène Frontil, Edith et Alix Desormeaux, Alexa Sylvia Desormeaux, Fernand Frédéric, Dr. Frank Patrick Châtelain, Edeline Noël, Elie Noël, Emmanuel Lecomte, Famille Chavanne, Erline César et famille, Famille Chavanne, Franz Narcisse et Esther Brigard, Brigard Narcisse, Ernst Lezo, Monsieur et Madame Willy Grégoire Lezo et famille, Gerda Alexis, Gary Sterlin et famille, Hipponia Gracien, Jean-Gaël Plaisimont et famille, Joseph Vincent Viau pour son anniversaire de naissance, Villebrun Denis, Josette Pavilus, Kathleen Compère, Rose Marie Nelson et famille, Lydie Alexandre, Le Germe Pierre Richard Rudolph et famille, Léon Patrick Valbrun, les familles Alexandre et René, Lionel Loture et famille, Christine Marie Loture, Queens Pistosia Bonhomme, les serves Joseph et famille Thomas, Nancy et Patrick Durosier, Ange Berly Faela Saint-Gilus, Caroline Thomas, Magali Alcinor et famille, Marie-Flore Magène, Marie-Louisina Dorcy, Marie-Yvette Duton pour son anniversaire de naissance, Marlène Calixte et famille, Marlène Calixte et famille, Micheline Janit, Micheline Louis, Robertson Louis, Robins Michel Louis, Miss Manouchka Elie J. Robert, Laurent Fabrice Robert, Cédric Gérard Robert, Docteur Alex Robert, Natacha Lalanne et famille, Nicole et Jean-Claude Lamarck, Claude Richard Lamarck, Fabiola et Johnny Emmanuel Lamarck, Myrlande Modestin Dumerville et sa fille Mia, Serge et Evelyne Lezo, Paulette Janiton et famille, Shana Day, Stanley Cadet, Xavier Emmanuel Delance pour son anniversaire de naissance, Yvette Setout et famille, Marie-Gertrude Jolivert et famille, Alexandra Gantier, Alix et Edith Desormeaux, Alexa Sylvia Desormeaux, Martine Milfort pour son anniversaire de naissance, Christian Raymond Février Sildor pour son anniversaire de naissance, Jenan Février, Olivier Emmanuel Février Sildor, Stéphane Michel Février Sildor, Marie-Thérèse Corvoisier Toussaint pour son anniversaire de naissance, Ricardo Scholl pour son anniversaire de naissance, Marie-Yves Pierrot, Girard Gilles, Franz Elinouz Percy et famille, Yannick Pierre et famille, Joseph Juni pour son anniversaire de naissance, Madame Lorna Clerval, Juliette Saint-Fort, Marie-Béatrice Saint-Ville, Noël Zina Romiald, Katie Aurelius, messe de requiem pour Madame Jacqueline Edith Daumont, Madame Ineda Scholl, Monsieur Joseph et Jacob, Monsieur Edès Daumont, Yvette Ogou, Dulan Lenné, Anastasie Thomas. Bonne participation. Merci, monsieur. Thank you.
Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez, sur nos sillons, le gré peut mûrir. Car toute chair attend le Verbe de Dieu, car notre désir enfin se rouvre les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. Que votre paix se lève sur nos douleurs. Qu'au feu de l'esprit renaisse un monde qui meurt. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes faim. Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. Que votre corps nous soit la force du jour. Que votre présence en nous ravive l'amour. Mon Dieu, que votre règne arrive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, mon Père. Tout ce matin, nous nous présentons devant le Seigneur. Nous nous faisons tout petit devant lui. Nous sommes venus demander son pardon, sa miséricorde. Au seuil de cette célébration, reconnaissons nos péchés et implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils.
afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 41, les versets 13 à 20. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te prends la main droite et je te dis: ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas, Jacob, faible vermisseau. Israël, misérable mortel. Je viens à ton secours, déclare le Seigneur, ton Rédempteur, c'est le Dieu Saint d'Israël. J'ai fait de toi une herse à broyer de la paille, toute neuve, hérissée de pointes. Tu vas briser les montagnes, les broyer et réduire les collines en menu paille. Tu les passeras au crible, le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, ta fierté dans le Dieu Saint d'Israël. Les petits et les pauvres cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources dans les ravins. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les terres incultes le cyprès, le pin et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin que tous considèrent et découvrent que la main du Seigneur a fait tout cela, que le Dieu Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Nous allons prier dans le psaume 144. Ensemble, nous répétons: béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Acclamation. Alléluia, vive l'évangile, alléluia, parole libération, alléluia.
Jésus-Christ. Alléluia. Louange pour lui. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que germe le sauveur. Alléluia, vive l'évangile. Alléluia, parole, libération. Alléluia, bravo pour Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 11, les versets 11 à 15. Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence. Et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont parlé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie qui doit venir, c'est lui. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu en chantant. De la parole en ce deuxième jeudi de l'Avent nous place dans la logique de la petitesse et de la grandeur. Qu'est-ce qui fait la véritable grandeur de l'homme? Qu'est-ce qui fait la force de l'homme? Et de notre côté, pour Dieu, qu'est-ce qui est véritablement grand? Il est clair dans la bouche de Jésus dans l'Évangile, il nous dit que parmi les fils des hommes, c'est-à-dire parmi les hommes ici-bas sur terre, il n'y en a jamais eu de plus grand que Jean le Baptiste. Par contre, dans le royaume des cieux, il est le plus petit. Langage, grandeur, petitesse, ça, c'est à la fois dans l'Évangile là et en même temps dans la première lecture, dans la bouche prophète Isaïe. C'était un débat courant dans le temps disciples Jésus pour chercher qu'on est parmi eux-mêmes qui est qui plus grand. Plusieurs fois Jésus les surprend dans mode discussion ça. Et nous capables de dire c'est un débat, une tension dans le monde en général pour y a toujours chercher comparer avec l'autre monde pour qui est qui plus belle, qui est qui plus intelligent, qui est qui plus grand, qui est qui plus performant. Les courants. Et c'est facile pour nous joindre mode de rapport sérieux qui a fait entre monde et monde. À travers parole sérieux, bon Dieu, il voulait rappeler nous une leçon fondamentale de toute vie humaine. La leçon d'humilité. Si la yo qui fait bio pour faire Isaïe dit ça, si la yo qui tout petit yo, si la yo méprisé yo, si la yo pas considéré comme un yo, c'est au même bon Dieu il prend, il mettait haut. Ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas, Jacob, faible vermisseau, Israël, misérable mortel. Je viens à ton secours, déclare le Seigneur, ton Rédempteur. Si nous prenons exemple la Vierge Marie, la vie de la Vierge Marie l'a illustré totalement, ça nous dit là.
comment bon Dieu est habitué prend ça qui plate à terre, ça qui pas représenté en rien. Comment bon Dieu est habitué prend ça qui fait pour lui lever yo, mettre yo bien haut. Jésus lui-même tout lui ban nous leçon abaissement ça, leçon humilité ça. Les saint Paul particulièrement dans lettre li voyé bay Philippiens yo, li montre nous comment Jésus bon Dieu que lié, li pas arrêté dans rang que lié a comme bon Dieu, li accepté faire un abaissement. Li accepté abandonner sa lié. Li accepté entrer dans chemin humilité, chemin simplicité n'a pas lié pour li vinn fèl moun. Ça t'est choqué en pile moun depuis dans génération Jésus. Juif yo païen yo pas capable comprendre ça. Comment un bon Dieu capable vinn tourner moun? Pour ça yo connaît dignité bon Dieu a lui-même lié. Pour ça yo connaît sainteté que bon Dieu a lui-même lié dans lui. Comment il est capable accepter vinn faire moun? Tout ça c'est pour bon Dieu lui-même t'est capable ban nous exemple. Jésus il pas seulement prêché pendant 3 ans, fait ministère, fait signe, mais il prêchait par l'exemple. Ça le dit yo, il fait yo. Il parle nous de résurrection. En premier, lui-même, il passait par là. Il mourit et puis il ressuscité. C'est tout ça que Jufio te considéré comme un scandale. Comment bon Dieu cap tourner monde? Comment bon Dieu cap mourir par la suite? Et pour pas rien, il te considéré ça comme une folie. Un bagaille qui dépassait l'intelligence des hommes, que le monde n'est pas capable de comprendre. Dans bouche prophète Isaïe, bon Dieu, il fait un pile promesse pour ceux-là qui tout petit, ceux-là qui pauvre. Les petits et les pauvres cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Nous, chaque qui vient à la messe là, et chaque fois nous devons en présence, mon Dieu, nous, chaque fois nous avons des paroles, mon Dieu, chaque fois nous prenons conscience de limites nous avons comme monde, de faiblesses nous avons. Chaque fois nous avons conscience de misère nous yo à cause péché à cause mal là qui est capable envahir la vie nous, ça aide nous reconnaître puis bien toujours grandeur bon Dieu, ça aide nous reconnaître puis bien toujours sainteté bon Dieu, et ça invite nous chaque jour pour nous faire un effort en plus pour nous capable rapprocher nous de la perfection, pour nous capable rapprocher nous de sainteté, parce que l'on considère au grand qu'il y a l'autre qui s'acquivait puisque au grand déjà passé, donc c'est lui qui vient pour le faire effort pour arriver dans niveau pas ou là, on va gagner pour faire effort encore. Mais là, considérer au pipiti passer l'autre, laisse ça, c'est tout le temps à travailler sur vous-même, c'est tout le temps à faire effort au moins pour capable arriver dans niveau l'autre. C'est dans ce sens, Saint Paul dit, nous ne pouvons pas gagner l'autre compétition entre nous-mêmes chrétiens. Nous ne pouvons pas lutter une avec l'autre pour nous chercher, pour nous voir qui est ce qui peut passer l'autre. Il dit, nous, c'est une seule compétition qui est capable de gagner entre nous, la compétition de l'amour, pour nous garder, pour nous voir qui est ce qui est capable de remettre plus. Il faut toujours estimer les autres supérieurs à soi. Je reprends les paroles de Saint Paul. Il faut toujours estimer les autres supérieurs à soi. Mais ça, ce n'est pas dans une fausse humilité. Mais ça, ce n'est pas dans un faire semblant. Mais c'est dans un acte véritable. Il y a un bagage qui a sorti dans la profondeur que nous et qui a aidé nous pour nous capables de remettre plus chaque jour. C'est Fabien Salapman de bon Dieu dans l'Eucharistie matin pour toute journée. C'est faveur ça n'a pas demandé chaque jour dans la vie. Nous pouvons toujours chercher pour un chemin humilité, un chemin simplicité, parce que c'est véritable chemin grandeur l'allié. Saint-Irénée dit nous, l'homme n'est grand qu'à genoux. L'homme n'est grand qu'à genoux devant son Dieu. C'est-à-dire dans cette attitude d'adoration, de vénération, de prosternation. C'est le nous reconnaître qui laisse bon Dieu y est, et c'est le nous reconnaître qui laisse nous y est. Nous restons dans le rôle, nous restons dans la place, nous capables de grandir juste nous arriver. Dans hauteur la grâce bon Dieu, dans hauteur dimension bon Dieu lui-même. Amen.
sommeli, l'océan fait tourner, en visite, il veut en fait tourner. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Avec tes yeux, am chanté merveille ouvert, aux anami, bon Dieu dans le ciel. Aux anami, bon Dieu dans le ciel. Saint, grand maître, Saint, grand maître, Saint, tout bon vrai, aux anami. Vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Oriam confirmatem super nos, misericordia eius, et veritas domini manet in eternum. Christus vici, Christus regna, Christus faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire Ducange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ces défunts pour qui nous te prions au cours de cette Eucharistie. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur notre assemblée, et sur tous ceux qui prient avec nous à travers la radio et la télé, sur tous ceux qui ont recommandé cette messe, particulièrement sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire, sur les personnes en difficulté, nous implorons ta bonté. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous devons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus, ou même mon temps, bon Dieu, qui ou été péché sous terre, t'en prie, pitié. Dieu, qui ont été péchés sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Et sur humains, mon temps, bon Dieu, qui ont été péchés sous terre, vine faire que nous. À la chance, pour mon sayo, Jésus invité, viens manger ça. Mais Jésus, mon ton bon Dieu, qui était péché sous terre. Comme moi, pas mérité, ou entré la caille. Mais il se maille pas bol et non moins vagué. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Partage ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi. Yeah.
nous merci. Pour lié et pour tout un guéton. Merci. Pour la joie ou pour moi, non, maintenant, Dieu merci. Pour aimer ou aimer, non, maintenant, Dieu merci. Pour tout sauver pour moi, non, maintenant, Dieu merci. Merci, comme maintenant, ma paix, Dieu merci. Merci comme amen, ma béni ou merci. Pour Yéa et pour tout ton guéton. Pour l'esprit ou pour moi, maintenant, Dieu merci. Pour talent ou pour moi, non, maintenant, Dieu merci. Pour guérir ou guérir, non, maintenant, Dieu merci. Pour nourrir ou nourrir, non, maintenant, Dieu merci. Merci, grand maître, ma Dieu merci. Merci pour mettre ma paix, ma merci. Pour Yéa et pour tout ton guéton. Merci pour mettre ma paix, ma merci. Pour Yéa et pour tout ton guéton. Merci pour mettre ma paix, ma merci. Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à tous ceux-là qui célèbrent leur anniversaire. Bonne fête à toutes celles qui portent le nom de Laurette. C'est le jour de la Vierge Notre-Dame de Laurette. Bonne fête à Carly, des Émiles, Loretta, Anne-Laurie et Edith Pierre. Joyeux anniversaire de mariage à Derville Max et Joanne André Horacius. Joyeux anniversaire à Joseph Vincent Villot, Villebrun-Denis. Bonne fête naissance à Marie-Yvette Duton,
Xavier Emmanuel Delance, Martine Milfort, Christian Raymond Février Sildor, Marie-Thérèse Corvoisier Toussaint, Ricardo Charles, Desrosiers Jean-Rémy et à toutes les autres personnes qui célèbrent un événement heureux. À vous tous, nous souhaitons une très bonne journée, bonne méditation et bon travail. Merci, mon Père. Amen. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.